l'appareil reproducteur féminin présente un fonctionnement cyclique. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi on qualifie la physiologie féminine de cyclique et comment ce cycle est contrôlé par les sécrétions d'hormones sexuelles. Commençons par étudier le caractère cyclique du fonctionnement des ovaires. Dans les ovaires, on trouve de nombreux follicules. Les follicules sont les structures qui contiennent les ovules, donc les gamètes de la femme. La première phase du cycle des ovaires ou cycle ovarien est appelée Phase folliculaire. Lors de cette phase, on assiste à la croissance d'un des follicules contenus dans un des deux ovaires, le follicule grossi. La phase folliculaire dure en moyenne 14 jours, même si sa durée varie d'une femme à une autre et même d'un cycle à un autre. Autour du 14e jour du cycle, le follicule éclate et libère l'ovule qu'il contient dans la trompe de fallope. C'est l'ovulation. Après l'ovulation, le follicule qui avait grossi lors de la phase folliculaire se retrouve désormais dépourvu d'ovules. Ce follicule sans ovule se transforme en corps jaune. Le corps jaune se maintient 14 jours, puis régresse et disparaît. Cette dernière phase du cycle ovarien, caractérisée par la présence du corps jaune, est appelée phase lutéale. On a donc bien, au niveau des ovaires, un fonctionnement cyclique avec la succession d'événements suivantes. Croissance d'un follicule, ovulation, corps jaune, puis à nouveau, croissance d'un follicule, ovulation, corps jaune, etc. Ce fonctionnement cyclique des ovaires se produit de la puberté à la ménopause. La physiologie cyclique de l'appareil reproducteur féminin se retrouve également au niveau de l'utérus. L'utérus est un organe creux qui accueille le développement de l'embryon lors de la grossesse. Au niveau de la paroi de l'utérus, on trouve une muqueuse, ou endomètre, plus ou moins développée selon le moment du cycle. Le début du cycle est marqué par les règles ou menstruations qui durent quelques jours, quatre jours en moyenne. Lors des menstruations, une grande partie de la muqueuse utérine est détruite, provoquant un écoulement de sang et de muqueuse. Après les règles, la muqueuse se reconstruit progressivement. Jusqu'au jour 14 environ, la muqueuse s'épaissit. On parle de phase proliférative. Après le jour 14 et jusqu'au jour 28 environ, la muqueuse utérine continue de se développer de nombreuses glandes et vaisseaux sanguins se mettent en place, on parle de vascularisation. C'est la phase sécrétoire. Après le jour 28, c'est le début du cycle suivant. La muqueuse se détruit, c'est les menstruations. On a donc bien, au niveau de la muqueuse utérine, un fonctionnement cyclique avec la succession d'événements suivantes. Menstruation, phase proliférative, phase sécrétoire, menstruation, phase proliférative, phase sécrétoire, etc. Ce fonctionnement cyclique de l'utérus se produit de la puberté à la ménopause. Intéressons-nous maintenant à un autre fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur de la femme, le cycle de la glaire cervicale. Située au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire entre le vagin et la cavité de l'utérus, la glaire cervicale est une sécrétion dont l'aspect varie au cours du cycle. Pendant une grande partie du cycle, la glaire cervicale est un gel épais dont les filaments resserrés Empêche la majorité des spermatozoïdes de passer en cas d'éjaculation dans le vagin. Un peu avant et un peu après le jour 14, les filaments de la glaire cervicale sont un peu plus relâchés, le gel est plus fluide, on dit que la glaire est filante. Lorsque la glaire est filante, la majorité des spermatozoïdes éjaculés dans le vagin peuvent passer le col de l'utérus et rejoindre éventuellement l'ovule dans une trompe de phallope. L'augmentation de la filance de la glaire est favorable à la fécondation. On a donc bien, au niveau de la glaire cervicale, un fonctionnement cyclique avec la succession d'événements suivantes, glaire serrée, glaire filante, glaire serrée, glaire filante, etc. Ce fonctionnement cyclique de la glaire cervicale se produit de la puberté à la ménopause. On a donc bien un fonctionnement cyclique au niveau des ovaires, de l'utérus et de la glaire cervicale. Comment ce fonctionnement cyclique est-il contrôlé? Intéressons-nous d'abord au rôle des ovaires. En plus de contenir les gamètes, et de libérer un ovule par cycle lors de l'ovulation, les ovaires sont également des glandes qui produisent et libèrent dans le sang des hormones. Les ovaires produisent deux hormones. Les oestrogènes, le stradiol par exemple, qui sont fabriqués par les follicules ovariens. La progestérone, qui est fabriquée par le corps jaune, c'est-à-dire le follicule dépourvu de son ovule après l'ovulation. Dans la première moitié du cycle, au niveau des ovaires, c'est la phase folliculaire. Un follicule se développe en grossissant progressivement. Or, nous savons que les follicules produisent et libèrent des oestrogènes dans le sang. Au cours de la phase folliculaire, comme le follicule est de plus en plus gros, il produit et libère de plus en plus d'oestrogènes. Au cours de la phase folliculaire, la concentration d'oestrogènes dans le sang augmente donc progressivement. Les cellules constituant la muqueuse utérine possèdent des récepteurs spécifiques aux oestrogènes. Par conséquent, les oestrogènes circulant dans le sang lors de la phase folliculaire vont se fixer sur ces récepteurs. Les cellules de la muqueuse utérine sont donc stimulées par la fixation des oestrogènes. Cette stimulation provoque le développement de la muqueuse utérine et donc la phase proliférative de l'utérus. On voit ici que le cycle des ovaires contrôle le cycle de l'utérus. Au cours de la phase folliculaire, au niveau des ovaires, les follicules grossissent et produisent de plus en plus d'oestrogènes. L'augmentation de la concentration d'oestrogènes stimule la muqueuse de l'utérus et permet de reconstituer la muqueuse utérine qui s'était détruite au moment des règles lors de la phase proliférative. Après l'ovulation, au niveau des ovaires, c'est le début de la phase lutéale. Le follicule qui vient d'ovuler s'est transformé en corps jaune. Le corps jaune produit et libère dans le sang des oestrogènes et de la progestérone. Les cellules de la muqueuse utérine possèdent, en plus des récepteurs aux oestrogènes, des récepteurs spécifiques de la progestérone. Par conséquent, la progestérone et les oestrogènes circulant dans le sang lors de la phase lutéale vont se fixer sur ces récepteurs. Les cellules de la muqueuse utérine sont donc stimulées par la fixation de ces hormones. Cette stimulation provoque le développement des glandes et des vaisseaux sanguins dans la muqueuse utérine et donc la phase sécrétoire de l'utérus. Ici aussi, on voit que le cycle des ovaires contrôle le cycle de l'utérus. Au cours de la phase lutéale au niveau des ovaires, le corps jaune libère des hormones qui stimule la muqueuse et provoque le développement des glandes et des vaisseaux sanguins lors de la phase sécrétoire. A la fin de la phase lutéale, qui dure 14 jours, le corps jaune régresse et il libère donc de moins en moins d'hormones, les concentrations d'oestrogènes et de progestérone dans le sang diminuent. A la fin du cycle, les hormones libérées par les ovaires sont en concentration très faible, elles ne stimulent plus les cellules de la muqueuse utérine, celle-ci n'est donc pas maintenue, ce sont les règles ou menstruations. Qui marque le début d'un nouveau cycle. La chute du taux d'hormones ovariennes (œstrogènes et progestérone) à la fin du cycle est responsable des menstruations. On voit encore ici comment les ovaires contrôlent l'utérus. Si maintenant on s'intéresse au cycle de la glaire cervicale, lui aussi est contrôlé par le cycle ovarien. L'augmentation de la concentration d'œstrogènes à la fin de la phase folliculaire permet de rendre la glaire filante. Si on récapitule, car tout cela est assez complexe, lors de la croissance des follicules en phase folliculaire, l'augmentation de la sécrétion d'oestrogènes permet le développement de la muqueuse utérine et donc la phase proliférative et le relâchement de la glaire cervicale. Lors de la présence du corps jaune en phase lutéale, l'augmentation de la sécrétion d'oestrogènes et de progestérone permet le développement des glandes et des vaisseaux sanguins dans la muqueuse utérine et donc la phase sécrétoire. Lors de la disparition du corps jaune, la diminution de la sécrétion d'oestrogènes et de progestérone permet l'élimination de la muqueuse utérine et donc les menstruations. On voit donc bien ici que les changements au niveau des ovaires (développement du follicule, ovulation, régression du corps jaune) modifient les taux d'hormones ovariennes sécrétées, et que les variations de ces taux d'hormones contrôlent le développement de l'utérus et l'aspect de la glaire cervicale. C'est le fonctionnement cyclique des ovaires qui est responsable du fonctionnement cyclique de l'utérus et de la glaire cervicale. Mais comment les ovaires sont-ils contrôlés? Comment le fonctionnement cyclique des ovaires est-il permis? À la base du cerveau, il existe une glande appelée hypophyse. Cette glande produit et libère dans le sang deux hormones. La FSH, ou hormone folliculostimulante, et la LH, ou hormone lutéinisante. Ces hormones hypophysaires, la FSH et la LH, contrôlent le cycle des ovaires qui lui-même contrôle le cycle de l'utérus. Au début du cycle, l'hypophyse sécrète de la FSH qui provoque le développement des follicules au niveau des ovaires, d'où son nom d'hormone folliculo -stimulante. La FSH permet donc la phase folliculaire du jour 1 au jour 14 au niveau des ovaires. Au milieu du cycle, l'hypophyse libère d'un coup une grande quantité de LH. C'est le pic de LH. Le pic de LH provoque la libération de l'ovule contenu dans le follicule et donc l'ovulation. On voit bien que l'hypophyse contrôle le cycle des ovaires. La FSH permet la phase folliculaire et le pic de LH permet l'ovulation. Ce cycle des ovaires contrôlé par l'hypophyse contrôle à son tour le cycle de l'utérus comme décrit précédemment on comprend donc que le fonctionnement cyclique de l'appareil reproducteur de la femme est contrôlé depuis le cerveau par l'hypophyse mais qu'est-ce qui contrôle l'hypophyse et notamment qu'est-ce qui fait que d'un coup l'hypophyse se met à sécréter énormément de lh lors du pic de lh dans l'expérience présentée ici on observe l'évolution de la concentration de lh chez une guenon ayant subi une ablation des ovaires on parle d'ovariectomie au temps zéro on injecte dans la guenon des œstrogènes en faible concentration. On observe que la quantité de LH diminue. Lorsqu'il y a peu d'œstrogènes dans le sang, l'hypophyse libère donc moins de LH. Cela signifie que lorsque les ovaires produisent peu d'œstrogènes, œstrogènes en faible concentration, les œstrogènes produits par les ovaires freinent l'activité de l'hypophyse qui produit alors moins de LH. Nous avions vu que l'hypophyse contrôlait les ovaires. Nous voyons ici que les ovaires contrôlent l'hypophyse. On voit ici que les ovaires contrôlent l'hypophyse, c'est-à-dire que les ovaires contrôlent la structure qui les contrôle. On parle de rétrocontrôle. Ici, la faible concentration d'oestrogène provoque une diminution de l'activité de l'hypophyse qui libère alors moins de LH. On dit que le rétrocontrôle est négatif. Toujours dans cette expérience, au temps 1. On injecte cette fois dans la guenon des oestrogènes en forte concentration. On observe que la quantité de LH augmente brutalement. Il s'agit d'un pic de LH. Lorsqu'il y a beaucoup d'oestrogènes dans le sang, l'hypophyse libère donc brutalement une grande quantité de LH. Cela signifie que lorsque les ovaires produisent beaucoup d'oestrogènes, oestrogènes en forte concentration, les oestrogènes produits par les ovaires stimulent l'activité de l'hypophyse qui produit alors un pic de LH. Nous voyons donc à nouveau que les ovaires exercent un rétrocontrôle sur l'hypophyse. Mais ici, la forte concentration d'œstrogènes provoque une stimulation de l'activité de l'hypophyse qui libère alors un pic de LH. On dit que le rétrocontrôle est positif. Récapitulons maintenant. En début de cycle, l'hypophyse produit de la FSH qui stimule les ovaires et permet le développement d'un follicule. C'est la phase folliculaire. Le follicule produit des oestrogènes. Ces oestrogènes stimulent l'utérus et permettent le développement de la muqueuse, c'est la phase proliférative. Au niveau des ovaires, le follicule grossit et produit de plus en plus d'œstrogènes. Au début, la quantité d'œstrogènes est faible. Les ovaires exercent alors un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. La production de FSH diminue légèrement et la quantité de LH reste faible. Cela permet que la LH ne stimule pas le développement d'un autre follicule le follicule qui a été stimulé par la fsh continue de se développer. il produit de plus en plus d'estrogène. en fin de phase folliculaire, la quantité d'estrogène produite par les ovaires dépasse un certain seuil. le rétrocontrôle exercé par les ovaires sur l'hypophyse passe d'un rétrocontrôle négatif à un rétrocontrôle positif. d'un coup, les ovaires se mettent à stimuler fortement l'hypophyse. l'hypophyse produit et libère alors brutalement une très grande quantité de lh. c'est le pic de lh. Ce pic de LH stimule les ovaires et provoque l'ovulation du follicule développé. Par ailleurs, l'augmentation de la quantité d'oestrogène permet le relâchement de la glaire cervicale. Après l'ovulation, le follicule, dépourvu de son ovule, devient le corps jaune, c'est la phase lutéale. Le corps jaune libère des oestrogènes et de la progestérone. La progestérone, produite lors de la phase lutéale, exerce, elle aussi, un rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse. C'est pour cela Qu'en phase luthéale, les concentrations de LH et de FSH dans le sang sont à nouveau très basses. La progestérone va stimuler l'utérus et permettre la poursuite du développement de la muqueuse et le développement de glandes et de la vascularisation. C'est la phase sécrétoire. Lorsqu'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune régresse et disparaît progressivement au bout de 14 jours. Il libère donc de moins en moins de progestérone et d'oestrogène, ce qui ne permet plus le maintien de la muqueuse utérine. Elle se détache donc en provoquant des saignements ce sont les menstruations qui marquent le début d'un nouveau cycle. De plus, la chute des hormones produites par le corps jaune permet également de lever le rétrocontrôle négatif qu'elles exerçaient sur l'hypophyse. Ainsi, l'hypophyse se remet à nouveau à produire de la FSH qui va venir stimuler la croissance d'un nouveau follicule dans l'un des deux ovaires. C'est le début d'une nouvelle phase folliculaire. Dans cette vidéo, nous avons vu que les fonctionnements de l'appareil reproducteur de la femme étaient cycliques à plusieurs niveaux au niveau des ovaires, de l'utérus et de la glande cervicale, que ce fonctionnement cyclique était contrôlé de façon complexe. L'hypophyse stimule par des hormones les ovaires et permet leur fonctionnement cyclique. Les ovaires stimulent par des hormones l'utérus et la glande cervicale et permettent leur développement cyclique. Les ovaires se contrôlent eux-mêmes en agissant en retour sur l'hypophyse par des rétrocontrôles négatifs et positifs. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons que les connaissances de ce fonctionnement cyclique permettent de comprendre le mode d'action de certains moyens de contraception.